Vous avez une force franco-malienne qui est arrivée par le sud et qui, avec un raid blindé, est allée jusqu'au sud de la ville et jusqu'à l'aéroport. Et parallèlement, vous aviez une opération aéroportée au nord de la ville avec des parachutistes qui, eux, se sont emparés de la partie nord. Et nous, avec mes hélicoptères, nous étions là pour coordonner et pour appuyer, si vous voulez, toute cette opération qui est quand même assez complexe à monter. Il n'y a eu aucune résistance puisqu'en fait tous les djihadistes avaient quitté la ville depuis certainement quelques temps. Et donc nous sommes arrivés les premiers avec nos hélicoptères et on s'est vite rendu compte qu'on n'allait rencontrer aucune résistance. On n'était pas parti pour aller aussi vite. Et en fait je pense que c'est une opportunité qui a été saisie pour aller plus vite que ce qu'on pouvait nous-mêmes penser. Je vous confirme, il n'y a eu aucun coup de feu et aucune goutte de sang. Ça je vous confirme. Hein.